Hey, yo tout le monde, c'est Kazugame et on se retrouve pour un nouvel épisode. Allez, c'est parti! Et voilà, nous sommes au mois de décembre et comme vous le savez, le mois de décembre c'est quand même une période assez importante de l'année avec l'approche de Noël. Et du coup, pour l'approche de Noël, on a mis pas mal de trucs sur le serveur. Alors on a mis au début le slash calendar, donc voilà un calendrier de l'Avent en gros. Donc moi j'ai déjà ouvert tout. Donc voilà, il suffit simplement de cocher sur le jour et vous aurez des petits cadeaux, voilà. Alors on a eu quand même pas mal de problèmes avec ce plugin parce que tout simplement ce plugin ne peut pas être ouvert avant le 1er décembre. Ce qui fait qu'on peut, enfin, on peut le mettre en place, mais on peut pas checker si ça fonctionne bien et tout ça. Après, il y a un mode test dedans, mais le mode test, on n'a pas réussi à le faire fonctionner. Alors, soit on n'est pas doué, soit ça fonctionnait pas. Ce qui fait que, bah, par exemple, aujourd'hui, le 7, on avait une commande où c'est que ça faisait un give de l'effet potion Lucky. Mais ça n'a pas fonctionné du coup. Mais bon, en soi, c'est pas trop grave, hein. On va compenser avec autre chose, c'est pas un souci. Donc, aussi, on a mis une petite quête en place. Donc, voilà, le Père Noël, il suffit simplement d'y parler et vous demande. Oh, pour que la magie de Noël opère, apporte-moi un seau de lait, 64 feux d'artifice, 9 laisses et 64 blocs de neige. Donc voilà, des drops assez simples. On peut faire la quête toutes les 1 heure. Et quand on fait la quête, on gagne 1 000 $ plus une clé de Noël. Et donc avec cette clé de Noël, voilà, il suffit simplement d'aller au coffre ici, d'ouvrir le coffre et on peut gagner, bah voilà, tout ceci. Donc des débris antiques, des clés communes, des clés légendaires, clés mythiques, clés de casino, blocs de diamants et caisse trésor. Donc voilà, c'est pas trop mal. La caisse casino, elle est arrivée il y a peu de temps. Voilà, en fait, il suffit simplement tous les jours de parler à Monsieur Casino, il vous donne une clé. Et voilà, avec cette clé, il suffit simplement de d'ouvrir ce coffre. Et dedans, vous pouvez avoir 500, 1000, 2005, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 et 200 000. Alors vous vous dites, ouais, il n'y a que 2% de chance d'avoir 200 000. Ouais, il n'y a que 2% de chance, mais ça fait déjà pas mal de fois que les 200 000 tombent, donc 2%, c'est quand même pas mal déjà. Voilà, sans compter qu'après, vous avez aussi vos quêtes à faire. Il y a aussi le slash AACH, liste, voilà, avec pas mal de trucs aussi à valider. Vous pouvez aussi passer vos grades, qui est grâce avec le slash C. Voilà, le grade vagabond, chevalier, marquis, empereur et dieu. Là, vous pouvez vendre vos items et tout ça. Donc, on fait tout pour diversifier le gameplay. Donc, voilà. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire visiter ma zone. Donc, pour visiter ma zone, il suffit simplement de faire slash P warp, Kazugame. Et voilà. Alors là, vous arrivez dans ma petite zone. Donc, j'ai mis une petite musique. Le gars qui s'y croit pas du tout, hein. Quand vous arrivez ici, en fait, voilà, vous pouvez vendre plusieurs choses à mes shops. En fait, là, je rachète le lapin, le bœuf cru, les côtelettes, enfin, toutes les viandes crues, en fait, je rachète. Ensuite, Miss Tigri rachète, elle, de la poudre à canon, bah, pour faire l'effet d'artifice, hein. Je rachète, moi, de l'obsidienne, des lingots d'or, des minerais d'or aussi. Voilà, du diamant et du lapis. Donc, ce que j'ai fait en fait, j'ai fait un thème Noël, donc ça restera toute l'année comme ça, hein. Je l'agrandirai au fur et à mesure. Donc, j'ai déjà fait pas mal de choses. Donc, là, ici, il y a ma salle des coffres. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de coffres, hein. J'ai de la place, elle est bien grande. Donc, en fait, j'ai thématisé la salle des coffres en salle de chargement. Donc, moi, j'appelle ça la salle de chargement du traîneau. Donc voilà, le traîneau est là, il rentre et sort par là-bas. Pour ceux qui savent pas, je me suis un peu inspiré du film Super Noël quand le traîneau il descend, voilà, dans la base du Père Noël au pôle Nord. Donc voilà, je trouve ça relativement stylé. Voilà, donc pour l'instant on a simplement mis les minerais, faut qu'on fasse le reste petit peu par petit peu, mais bon, voilà, on va faire ça tranquillement. Ensuite, ici vous arrivez ici, donc Merry Christmas. Voilà, donc vous arrivez à la salle du sapin.
Voilà, joliment décoré avec un bonhomme de neige, un petit coquille. Un bonhomme en pain d'épices, je veux dire. Je sais même plus faire différence entre un coquille et un pain d'épices, non mais sérieux. Donnez-moi une corde que je me pende là. Le Père Noël et un petit renne avec un flocon de neige en haut et puis une petite zone où il y a les cadeaux en bas avec le sapin, voilà, qui est décoré avec les têtes. Donc ici, on continue, on arrive à la Santa Gold. Donc la Santa Gold, c'est tout simplement une farm à or, voilà, où vous pouvez venir farmer vos XP, aussi bien XP normal, donc là je suis niveau 41, mais aussi bien XP jobs, parce qu'il y a des jobs. Voilà, après, quand vous êtes vagabond au début, vous arrivez, vous ne pouvez pas vendre l'or. L'or, vous pouvez la vendre qu'à partir du grade de chevalier. Du coup, bah voilà, moi je rachète l'or, comme ça permet aux petits nouveaux de rush le grade. Voilà, je rachète l'or. Donc 5,50 le lingot, donc c'est pas trop mal. Voilà, avec une petite poubelle. Ici, c'est un petit coffre pour ceux qui veulent me faire des dons d'obsidienne pour agrandir la farm. Et ici, alors je préviens, voilà, je préfère le dire, ici, il y a un petit entonnoir. Voilà. Donc il y en a juste un seul, ce qui fait que vous avez 80% des loots. Hein, et il y a seulement une toute petite partie pour moi. Et franchement, c'est vraiment pas énorme. Hein, je vais vous montrer après ce que ça me rapporte. Mais c'est vraiment peu. Hein. Donc voilà, l'usine en fait, voilà, c'est un modèle que Lumineux m'a passé. Voilà, donc c'est un modèle assez connu apparemment. Mais très très efficace. Là, pour l'instant, il fait 2 étages. Donc j'ai quand même farmé pas mal d'obsidienne. Hein. Voilà, et là il y a le système en bas de récupération, donc avec un petit trieur, ça c'est Ange Mort, l'ange de ses morts qui m'a fait le petit trieur, voilà, j'avais la flemme de le faire, je suis pas un expert niveau ce genre de système, donc voilà, il m'a fait un petit trieur, tout est trié, voilà, ici il y a les têtes de pigmen, parce que voilà, on peut drop les têtes, ici il y a toutes les pépites, là ici ça doit être, oh, attendez, on va faire plus simple, on va se mettre là, voilà. Le poulet cru, le poulet cuit. Ici, il y a les plumes, les lingots et puis la chair putréfiée. Mais bon, voilà, comme je le disais, le pourcentage est vraiment pas énorme de ce que ça me rapporte en fait. Je crois que quand c'est plein à craquer, il faut plusieurs semaines déjà. Parce qu'il n'y a qu'un entonnoir et ça me rapporte à peu près 13 000. Donc, c'est pas non plus ouf, hein, clairement. Ce qui me rapporte le plus, c'est la poubelle. Voilà, les gens jettent généralement leurs épées dans la poubelle. Et du coup, bah, tout tombe là-dedans. Et bah voilà, bon là c'est vide. Hein, mais voilà, et après, il me reste plus qu'à faire fondre tout ça. Et puis à le revendre, mais c'est pareil, c'est une dizaine, enfin peut-être aller 11 000 dollars par là. C'est voilà, c'est beaucoup plus une perte de temps que de rentabilité. Mais bon, par contre, c'est bien pratique de tuer des pigmen parce que quand on les bute, ça nous rapporte de l'or. Et après, vous pouvez vendre l'or aussi, donc c'est vraiment pratique pour moi et puis bah pour vous. Quelque chose que je suis en train de faire, que j'ai commencé, c'est pareil, c'est ici, voilà. Donc voilà, je casse ici, je vais refermer. Voilà. Et en fait, ici, je suis en train de faire une nouvelle zone, donc. Ce sera la zone où il y aura les spawners, donc toujours thématisé Noël. Donc voilà, j'ai fait une tête de creeper avec un bonnet de Noël. Je vais faire ça à tous les mobs. Pour savoir ce qui est disponible sur le serveur, il suffit simplement d'être grade chevalier. Et une fois chevalier, de faire slash spawner. Et là, voilà, vous pouvez acheter des spawners. Donc soit en boutique si vous n'avez pas d'argent dans le jeu et que vous avez la flemme de farmer. Soit en argent dans le jeu. Voilà, donc c'est 50 000 l'œuf et 50 000 un spawner. A savoir que pour plus de challenges, pour plus de difficultés, parce que c'est un serveur survie, mais avec un petit mélange de Skyblock, donc il y a quand même un minimum de challenge. Voilà, c'est pour ceux qui aiment bien avoir un minimum de difficultés. Le spawner, une fois posé, on ne peut plus l'enlever. Voilà, vous pouvez en acheter tant que vous voulez, mais une fois qu'il est cassé, il est cassé, vous ne pouvez pas le récupérer à la toucher de soi. Donc il faut vraiment bien réfléchir où le poser. Voilà, donc ça en tout, ça coûte 100 000. Alors 100 000, vous vous dites que c'est énorme, mais en fait. 100 000, c'est rien du tout après, ça va très vite, notamment avec les jobs et tout ça. Donc je vais faire, voilà, chaque tête de mob, je vais le faire avec un bonnet de Noël, voilà, pour thématiser, et puis bah, une petite décoration Noël là-dedans. Donc voilà, ça, je vais m'amuser, là j'ai commencé, voilà. Donc là on arrivera ici, et là je vais mettre les spawners, j'ai commencé à creuser, il faudra que je finisse après.
Je vais mettre 5-6 spawners, hein, ça sert à en mettre trop. Enfin, je verrai après en fonction de comment que ça spawnera. Peut-être je modifierai après par la suite, je ne sais pas. Je verrai, mais voilà, après, c'est pas non plus incroyable. Hein. Je me suis fait aussi une petite zone de farm pour farmer les patates, puisque voilà, les patates, ça rapporte quand même pas mal. Genre, quand vous récoltez des patates avec le job, ça vous rapporte. Et quand vous les replantez, ça vous rapporte aussi. Et après, vous pouvez vendre des patates au slasher. Si vous avez la pioche boutique avec, voilà, Fortune 5, là, c'est le jackpot, ça rapporte quand même pas mal d'argent. C'est pour ça que je dis que ça va relativement vite. Et voici ma petite zone de champ. Bon, petite, c'est une zone de 100%. Alors, malheureusement, je n'ai pas mis assez de lumière. Alors, j'avais mis des lumières là, ici, et des lumières au-dessus. Mais voilà, pas assez de lumière. D'ailleurs, vous allez le voir ici dans un endroit. Alors là, j'avais rajouté de la lumière, mais pas ici. Voilà, vous voyez ici, ça ne pousse pas. Donc, j'ai pas mis assez de lumière. Mais bon, voilà, il y a une légère perte. Je veux dire, pour la taille du champ, c'est pas non plus énorme. Hein. Ça rapporte quand même pas mal d'argent. D'ailleurs, on va faire le test. On va voir combien rapporte un double coffre. Donc là, comme vous voyez, j'ai un double coffre de patates rempli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer tout mon stuff ici, tout, voilà, tac, 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 tac. Voilà, et maintenant, on va vendre un double coffre. Donc je prends toutes mes patates, je fais slash C, et je viens sur mon grade chevalier, et je fais le déstockage, qui est pratique pour tout vendre. Alors attention au déstockage, parce que du coup, ça vous vend tout ce qui est vendable dans le grade chevalier. Donc si vous avez par exemple des carottes que vous ne voulez pas les vendre, eh ben, ne cliquez pas sur le déstockage, par exemple. Ou alors des loot de mobs que vous voulez garder, pareil, la poudre de cri-cri, par exemple, pour la quête Noël. Surtout, faites très attention à ça. Donc, du coup, je clique sur déstockage, et là, j'ai déjà vendu 7021$ de patates. Donc, là, on va prendre les derniers. Hop, on fait pareil, slash chevalier, déstockage, plus 3000. Donc, un double coffre. Vaut un peu plus de 10 000$, précisément 10 820$. Donc c'est pas trop mal juste pour un double coffre, hein. Là, si vous remplissez tout ça, donc ça ferait allez, on va dire ça va faire 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230$ si je remplis tous les coffres. Donc bon, en une récolte, je remplis pratiquement tout. Hein. Et une récolte, il me faudrait une fois à peu près une heure et demie pour tout récolter le 100% là. Donc 200$ en une heure et demie, enfin voilà, comme je vous ai dit, en fait, ça va relativement vite à se faire de l'argent. Si on est un minimum motivé à farmer. Ah oui! À savoir que là, on est en map ressources, je l'ai pas fait dans mon claim. Ce qui veut dire que cette zone-là peut être pillée, hein, puisqu'en map ressources, on a droit de piller. Voilà, on a droit de piller de grief. Pas en map build, mais en map ressources, on a droit. Donc, à n'importe quel moment, quelqu'un peut trouver ma zone et tout me détruire. Mais bon, voilà, je prends le risque. Hein. De toute façon, c'est que des chances, pas très très grave en soi. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc dans les prochains épisodes, on fera des quêtes de clés de Noël, on ouvrira quelques coffres de Noël, quelques clés casino aussi. Après pour le reste, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok et Instagram, c'est CasuGame. Et moi je vous dis bah, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, à la prochaine, à plus.